Opération antiterroriste pour les hommes du groupe d'intervention spéciale de la gendarmerie royale. À l'entraînement dans leur base secrète. Tout se joue au millimètre et en silence pour ces professionnels aguerris. Jamais une caméra n'avait eu le droit de filmer auparavant ces hommes placés en première ligne dans le combat mené contre les cellules djihadistes, les kamikazes, la menace Al-Qaïda qui plane désormais sur le Maroc. Retour avec les gendarmes d'élite. Leur programme d'entraînement sans relâche doit leur permettre de faire face à toutes les options. Démantèlement de cellules djihadistes. Explosion contrôlée de sacs piégés. Feu ! Un ! Feu ! Localisation et neutralisation de kamikazes. Avec l'aide des services de renseignement, ils doivent désormais être prêts à faire face à un nouvel ennemi de l'intérieur. Sur le Maroc comme sur le Maghreb tout entier plane le spectre d'Al-Qaïda et celui d'un combat entre la lumière et les ténèbres. Mais les gendarmes d'élite n'ont pas d'état d'âme quand il s'agit de servir leur drapeau, la devise de leur groupe, Dieu, la patrie et le roi.